Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses, autant de personnes. J'ai un peu le tournis, parce que c'est vrai qu'il y en a un peu dans tous les sens. On entend Alexandra avec Flora. C'est drôle parce qu'on n'est pas du tout habitué. Donc, ça fait beaucoup d'un coup, quoi. Mais ça fait du bien et je me demande ce qui nous attend à terme. Sur le catamaran, tu parlais absolument. On est en proue ou en boucle, là, Flora? Là, on est à l'avant du bateau, hein, les yeux fixés sur les sacs à cabretons. C'est absolument extraordinaire. Ça vous fait quoi d'apercevoir la côte? Ah, c'est magique, ça rappelle des bons souvenirs, la maison, et c'est vrai que ça fait un super plaisir de revoir un peu la maison. On a mis 54 jours, quelques heures, on va savoir vraiment quand on va franchir la ligne. Je crois que ça représente 2608 000, ce qui fait 4830 km. Et j'ai compté à peu près le nombre de tours de bras qu'elles ont dû faire. À L3, quelque chose comme 2 250 000 tours de bras, chaque bras. On a vécu une aventure extraordinaire. L'équipage a été formidable et je suis super content d'arriver. 15 minutes ! Et il va y avoir une grosse fête ce soir à Cap-Breton. 6000 personnes nous attendent. Là, plus on se rapproche, et plus on voit qu'en fait, l'estacade, c'est noir. La place, on dirait que c'est noir de monde aussi. Alors que les plages à côté, il n'y a personne, donc c'est impressionnant. Je pense qu'on se rendait vraiment pas compte de ce qu'on a fait. Et là, il y a les petits clubs qui nous attendent sur l'eau, c'est énorme.